Je suis le colonel-major Nema Sagara et je suis en charge de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali. Toutes les télévisions, je n'exagère pas, que vous ouvrez maintenant, vous allez entendre parler du Mali et pas de bon, parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est les tueries avec des armes légères et les engins explosifs improvisés. Femmes, enfants, hommes, tout le monde a des problèmes avec ces armes. Même les écoles sont fermées. Les gens n'y vont plus, les enfants ne vont plus à l'école parce qu'il y a la circulation de ces armes qui est un grand problème, un grand danger au Mali. C'est les femmes qui ont la plus grosse douleur dans cette prolifération des armes légères. Pourquoi? Parce qu'elles perdent leurs enfants, elles perdent leur mari. Et chaque fois qu'un enfant sort, une femme est inquiète. Elle est sur tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les femmes sont engagées. Et celles qui ne sont pas engagées, il y a les autres femmes qui essaient de les sensibiliser pour qu'elles s'y intéressent. Et nous comptons sur GENSAC pour nous appuyer dans la formation. Et aussi permettre aux femmes d'avoir l'autonomie. C'est-à-dire essayer de leur donner des activités qui peuvent générer des revenus pour qu'elles puissent vaguer à leurs affaires.